إنساني ما تقولش اتركت فيا ابكي عليا مش ممكن يوم أقدر أسامح اتركت فيا ابكي عليا جازي Oh yeah, oh yeah. Mm-hmm. Assume me, my boy. Assume me. Je le mets dans la sauce, je tourne la sauce. Let's go.
Que vous avez passé une très belle semaine. Vous êtes bien dans le Ivy de Rochaud. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Vous êtes sur NCI, la chaîne étoilée. Je m'appelle Ivy de Rogueilly. Je suis la fille du DG. Je disais simplement, je suis la fille du DG. Mais depuis, je dis, je m'appelle Ivy Gueilly, là. J'ai dit... Tu sais, la jalousie est là, hein? Le monsieur était là, vous l'avez vu, vous l'avez laissé. Ah. Je l'ai pris, je l'ai soulevé, ça vous fait mal. Tonton Fela, bonsoir. Bonsoir, Ivy Dero. Tu représentes quel pays ce soir? Le Ghana. D'accord, ça s'applaudit. Monsieur Zuké, bonsoir. Bonsoir, Ivy Gay. Vous représentez... C'est très bien. Oui, oui. C'est très bien. Je suis mis promis. Ivy Gay. Quelqu'un qui va dire en français. Je représente Nobo. Et... Les Camerounais, le ouais. Cameroun. La Giza. Bonsoir, Ivy Gay, alias Isis 48. Tu sais faire. Ah, oui. Fort, fort. La diatance. Hey. De ça. Et là, je représente le Congo. Ah. On a remarqué. Quel Congo? Bon, je sais que RDC, ils sont forts. Non, c'est RDC. Ah. Patrick Edouard. Je représente l'Égypte. Voilà, dis-moi. Oui. Tout en Camon. Tout en Camon, oui, tout c'est en ça. Camon. Nous sommes là pour flageller les gens. Et nous flagerons. Vanessa. Bonsoir, Ivy Gueilly. Merci. Bah, je représente la Côte d'Ivoire. Sonia, je représente le Mali ce soir. Oh! La Ivy Gay que je suis représente le Nigeria. Ce soir, on a décidé à notre façon, dans le Ivy de Rochaud, de rendre hommage hein, à ces pays qualifiés. C'est vrai qu'on n'a pas pu représenter tous les pays, mais nous sommes de cœur avec vous et c'est notre façon à nous de vous dire à quoi bas. Bienvenue en terre ivoirienne. Je pense que pour certains, il y en a qui sont là depuis deux jours, depuis un jour et tout. Vous avez pris vos marques. J'espère que vous avez goûté la tieké, la loco et tout ce qui va avec. Vous êtes sur une très belle terre, oui. Une terre bénie. Et j'espère que vous allez repartir avec le sourire aux lèvres, quel que soit le résultat. C'est ça. Nous avons des nouvelles du concours de mathématiques. Vous avez suivi il y a quelques jours, nous en avons parlé ici. Oui. Effectivement. J'ai même demandé même... Hein, à mon oncle, le premier ministre... Doucement. Toi, ton nom sera dans la réunion des familles. J'ai un nom qui sera nommé. Mmh. Tu sens ça, non? Ouais, j'ai voulu dire un prénom d'un de mes oncles, là. Ah, c'est pas moi. Non, non, c'est pas toi. C'est pas toi. Il sera nommé. Oui, oui, tu as senti là, ça. Là, c'est le premier ministre Beugré Mambé, mais j'ai un oncle, là. Tonton, si tu as entendu un peu le début de ton prénom, prépare-toi. C'est qui vient, là? Tu es dedans. Enfin, j'ai voulu dire... Nous sommes témoins. J'ai voulu dire... Faut pas dire. C'est bon, c'est voilà. Bon. Donc, nous avons eu des nouvelles. Voici la capture. Vraiment, les gens ont réagi. Edith Broubleu, bonne nouvelle grâce à vos réactions. La Côte d'Ivoire participera finalement aux Olympiades de mathématiques. La
CIE et Mansa Bank ont décidé d'accompagner et de financer la préparation et le voyage des 25 élèves ivoiriens génies en mathématiques. Ils sont encadrés par 4 formateurs venus tout droit du MIT. Franchement, merci à tous ceux qui ont fait des posts pour alerter, tout ça. Merci aussi à M. Delors Inabo qui nous a passé le mot. Vraiment, nous sommes contents. C'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on attend de vous. Mm-hmm. Voilà, on ne va pas toujours demander de l'aide à l'État. Je pense qu'il y a des personnes aussi qui sont nantis, qui aiment aussi le développement, qui soutiennent aussi l'éducation. Des éléphants mathématiciens. Pardon? Je dis c'est des éléphants mathématiciens. Voilà, ce sont des éléphants mathématiciens. Non. On ne va pas seulement miser que dans le sport. Il y a aussi l'éducation. Le président même l'a dit. Donc, il faut vraiment soutenir. Je suis très contente. Une fois de plus, le Ividero Show a marqué. Claire. C'est important. Mm-hmm. Comme toujours. Voilà. Cette émission qui est détestée par certains, appréciée par d'autres et même adulée par tant. Voilà, fait ses preuves et fait son petit bonhomme de chemin. En effet. Clopin. Clopin. Le bonhomme de chemin est maintenant devenu grand. Amine. Voilà, il n'est plus petit. Amine. Voilà. L'Afrique est Abidjan. L'Afrique est Abidjan. Vous voyez comment vous êtes beau. Vous représentez des pays. Sonia, le Mali. Patrick Edouard, l'Égypte. Vanessa. Vanessa, le pays même qui accueille même toute l'Afrique. Guizot, Kin, qui représente Kinshasa. Il a quel problème, oh. Zike, Cameroun, le beau Détour. Tout à fait. Tonton Fela, le Ghana. Bonjour. Voilà, franchement, je suis contente et d'autant plus fière d'être ivoirienne. Mmh. Parce que... On va montrer à l'Afrique ce que c'est que l'accueil ivoirien. Ivoirien, yes. L'Afrique est à Abidjan, ce que les Ivoiriens doivent corriger. Tonton Fela. Moi, je vais parler à nos commerçants. Bon, on va commencer par Patrick. Patrick? On va parler de l'incivisme au niveau des routes. Bon, vous avez vu certaines, enfin, sur les réseaux sociaux dernièrement, quand ils ont ouvert le tunnel là, d'Abobo, il y a eu un accident, un motard qui avait renversé certaines personnes. Il y a eu plus de peur que de mal. Mais c'est une manière de dire qu'il faudrait qu'on soit prudent. Vraiment, il faudrait qu'on fasse attention aux véhicules, aux personnes qui sont dans nos véhicules et vraiment au code de la route. Parce qu'il en va de la vie de certaines personnes, mais également au nom de l'image même qu'on a de notre pays, de la Côte d'Ivoire, qu'on puisse continuer de donner un exemple, même au niveau routier, et célébrer la Côte d'Ivoire convenablement sans qu'il y ait ce genre d'incartade-là. Voilà. Vanessa. Alors, je voudrais interpeller les chauffeurs de VTC, parce que récemment, il y en a beaucoup qui... On a remarqué qu'ils dormaient au volant, mais vraiment, littéralement, qu'ils ronflaient parfois même au feu. Et donc, c'est le lieu de leur rappeler que c'est bien d'avoir des bonus, de faire des prouesses, mais personne ne va vous donner de trophée pour avoir roulé sur 2-3 jours. Vous allez avoir... Le sommeil, en général, on dit qu'on ne prend pas crédit de sommeil. Voilà, donc il faut vous reposer, il faut vous relayer, ça ne sert à rien de courir. Faites très attention à la sécurité des personnes qui vont monter avec vous. Il y a des étrangers, il y a des locaux, parce qu'ils sont venus pour se réjouir. Voilà, on est venus pour célébrer la CAN, pour célébrer de belles choses. On ne voudrait pas avoir des personnes qui sont endeuillées, qui retournent dans des situations vraiment compliquées. Donc, que chacun soit responsable à son niveau et qu'on puisse se reposer quand il faut, quand le corps le demande, c'est important. Sonia. M'adresser aux blogueurs, aux influenceurs, en tout cas tous ceux qui ont des prises de parole sur les réseaux sociaux. Toutes les caméras sont braquées sur la Côte d'Ivoire et on aimerait pouvoir vendre le pays le mieux possible. Donc je vais demander à tous les blogueurs, influenceurs, en tout cas tous ceux qui ont des prises de parole sur les réseaux sociaux, de faire attention, de déposer les armes, d'arrêter les injures, les règlements de compte, les qualificatifs en dessous de la ceinture. Mm-hmm. On n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire a besoin de se faire voir valablement. Et même au-delà de la CAN, s'ils peuvent poursuivre, tant mieux. Mais s'ils ne peuvent pas, au moins pour la période là, qu'ils attrapent le cœur et qu'ils nous fassent honneur. Tu as des noms? Pardon? Tu as des noms?
Je sais qu'il y a, par exemple, sur TikTok principalement, je vois beaucoup de, d'échanges houleux parfois avec Aya Robert. Je ne connais pas principalement elle, je la connais parce que ça fait quand même longtemps qu'elle est dedans. Je vois aussi Madame, je sais pas si c'est Madame Makosso, la sœur du général. Je sais qu'elles ont souvent des échanges. Lolo Beauté, ça fait un moment quand même. Voilà. Quand même. Voilà. Oui. Mais je veux dire qu'elles ont malheureusement la réputation d'avoir des échanges. Ou elle a changé sa ligne directrice. Ok, voilà. Dieu merci. Je pense. En tout cas, tant mieux. Ça fait un moment que moi je la vois pas. Ok, bah c'est à encourager alors. Fela. Mais moi je voulais parler aux commerçants. Leur dit que nos voisins ne sont pas loin, ils sont là. Il ne faut pas qu'ils prennent notre mauvais nom pour aller. Nos commerçants, ils ont cette habitude-là de faire les prix à la tête du client. Mmh. On a des étrangers. S'il vous plaît, les vendeurs là, s'il vous plaît, laissez les prix normaux. Vraiment. Il ne faut pas notre mauvais nom va partir au Cameroun. Mmh. Avant, on est venu en Côte d'Ivoire, nous a volé. Quelqu'un qui coûte 100 francs, ne vendez pas à 500 francs. C'est vrai. C'est que vous n'avez pas eu il y a 10 ans, c'est pas maintenant que vous allez avoir son bénéfice. C'est vrai. Ah, c'est clair. Donc, mettez vos patrons, on va vous contrôler. Hein. Moi, mon cousin, Begré. Et... Begré, je paye ça. Parce qu'il tient à l'image de la Côte d'Ivoire. C'est important. Si vous vous amusez, moi, je vous ai vu, je lui dis, ah, vous connaissez le Ramba. Zike. OK. Je vais en appeler à la vigilance du cousin à tonton Fela. Quant aux enfants qui sont au feu tricolore. Il faut parler un peu fort. Je dis encore. C'est-à-dire, c'est comme si c'est à cause d'eux qu'ils ont mis les feux. Mais il y a d'autres même qui attrapent ton habit. Oui, oui qui te suivent. Oui. C'est malaisant. La mendicité, là, c'est travail. Mais là encore, ce sont des enfants, mais les parents sont à côté. Hein. Oui, oui. Elles sont assises là-bas. Ouais, elles sont cachées. Elles-mêmes poussent les enfants. Allez, va. Et puis, à côté vrais. De ça, il y a nos mamans qui font le nettoyage. Là. Et... Aïe. Elles aussi, elles attendent le feu. Elles viennent se mettre au milieu. Elles tapent même à la vitre comme ça. Si. Tu t'es dit, peut-être que tu as fait une balle. Elles même au milieu. On va les cogner. C'est vrai, c'est dangereux ça. Oui, en milieu, en plein milieu de jour. Là, quand on met en l'air, elle est là. Ça est déjà dans l'essence. Donc, il faut que nos autorités prennent les dispositions dans ce sens. Voilà, ils n'ont qu'à se calmer un peu. Et puis, quand les étrangers vont partir, ils vont reprendre service. Aïe. Ils vont en congé. Et puis après, OK, d'accord. Guizo. Aïe. Oh. On a chaud ici. Excusez-moi. Tu as choisi le mauvais rôle. La Côte d'Ivoire a plus de 60 ethnies. Et là, je m'adresse à une ethnie spéciale, particulière, qui regorge des jeunes filles. C'est-à-dire Grace, Vanessa, Deborah, Chantal, Stéphanie, Chantal, Natacha et leur capitaine, Vanessa. Vanessa, voilà. Voilà. Madame, mes soeurs, les étrangers arrivent. Ils sont déjà là même. On dit, on va supporter, pardonner. Allez supporter, vous allez rentrer. J'ai bien dit, supporter. J'ai pas dit porter une grossesse après... Non. Parce que c'est ça. On finit la canne. Après 9 mois, on voit des petits métis là-bas dans les rues de Aouniansou en train de courir à Bakay. Non. Vous m'arrêtez ça. Les petits égyptiens. Vous m'arrêtez ça. On veut pas avoir des métis ici. Arrêtez ça. Donc, allez supporter et ne portez pas. Supporter. Mettez le sur là-dessus. Merci. Voilà. Merci. Moi, je voulais parler aux hommes mariés. Oh, c'est pas possible. Yes, avec ballon, là. Non, faut pas cacher ta bague. C'est 90 dedans. Minutes. C'est 90 minutes. Je veux pas entendre. Ils ont fermé les portes du stade. On est bloqué. Penalty, il manque des joueurs, je suis venu remplacer. Hey. Le stade est inondé. Il pleut, le stade, l'eau a inondé le coin, on a pas nager pour sortir. Nous tous, on a vu. Comment le président a donné des directives. Le premier ministre, même là, est à pied d'œuvre.
On a déplacé la canne pour venir en janvier. La pluie aussi s'est déplacée pour venir. Pour nous tester. Donc la pluie là, nous tous on a vu. Quand il pleut maintenant, là, au stade là-bas, là, l'eau là s'en va. Les hommes mariés. Rentrez chez vous. On a vu Ado à faire route pour aller à Ebimpeo. Ça tourne comme ça jusqu'à... Il n'y a pas embouteillage. Je suis partie... On m'a bloqué là-bas, embouteillage. Oh! 3 jours après. On m'a raflé. Oh! Ils m'ont confondu avec des Camerounais. Ah, oui. J'ai été pris à partie par un groupe de Camerounais parce que je supportais trop la Côte. Cannes qui va commencer demain. Là. Je vous demande pardon. Les hommes mariés, on vous demande merci. Les hommes mariés. Et saisissez-vous. Oh, on allait regarder, la bite m'a vu, c'est moi, il a sifflé. Ils m'ont donné carton rouge. Je suis en prison. Les femmes mariées. Les joueurs. C'est ballon. Normalement, même là. Nous-mêmes, on ne doit pas être là-bas. Pourquoi? Mais c'est le travail qui va nous emmener là-bas. Demain, je dois aller présenter un conseil. On dit l'artiste monte à 23 heures. Chérie, donc je profite de l'antenne pour te dire. C'est mon travail qui m'amène là-bas. Donc quand l'artiste va monter là, c'est moi qui vais dire son nom et puis il va monter. Je ne peux pas laisser l'artiste là chanter et puis je vais rentrer. Je suis obligée d'attendre, l'artiste va finir. C'est ça. L'argent qu'ils vont travailler sur lui là, je dois l'aider à compter. On doit voir. Mais oui. Oui, c'est moi, je dois voir les cœurs, celles qui ont fait les cœurs là. Je dois les payer. L'artiste même là, c'est moi, je dois le payer. Ici. Quand on finit là, les jeunes là, on est en train de dire, faut pas que notre nom se gâte. Je suis obligée de rester là pour voir ceux qui vont ramasser les chaises. Les faut pas ils vont voler. Je suis obligée de m'asseoir là. C'est une manière de te dire, c'est le travail. Si je suis allé l'heure à laquelle je vais rentrer là, c'est que ça l'heure, on m'a libéré. Pourquoi tu demandes ta permission? Alors que nous, tout on nous a convoqués, toi, tu demandes ta permission. Tonton. Tu t'as parlé pour moi? Comment toi, tu m'as dit que tu dois attraper ton sac quand tu vas sur le micro. Les hommes mariés. Ah, les hommes mariés. Comment ça? Le coulé. On a fait une réunion de la chose hier. Aujourd'hui, toi, tu viens, toi, ce qui dit que... Je dis à la femme de tonton Fela qui me suit. Ah. Tonton. Alors. Tonton Fela qui est là, il est âgé. Normalement, quand on dit 20 heures, il doit être à la maison. C'est ça. Donc là, je ne suis pas avec lui. Durant toute cette canne-là. C'est bien. Quand on dit 20 heures, si tu ne le vois pas, tante, c'est pas avec moi, il est. Il allait nager quelque part. Appelez Milano. Je tenais aussi à appeler ici le pasteur de Sonia. On n'a pas cellule de prière à l'église là-bas. Sonia ne prie pas pour les joueurs. Il n'y a pas retraite à San Pedro. Il n'y a pas retraite à San Pedro. Il n'y a pas pèlerinage à Korogo. Il y a Korogo. Pèlerinage à Korogo. I am so close. Chacun est déjà parti à son homme de Dieu. Voilà. Donc j'ai dit, papa Mohamed Sanogo, si tu regardes Sonia qui est là. Nous-mêmes là, on nous a donné congé. Peut-être que c'est la dernière émission de la canne là qui est là. Ouais, là, t'as gâté pour tout le monde. Pas jeudi ou bien vendredi, elle va venir vous dire que ah, demain, vendredi, je m'en vais faire l'émission. Il n'y a pas émission. Je parle au pasteur de Sonia. Oh, Seigneur. Vanessa. Les joueurs n'ont pas besoin de mettre des maisons. Ballon, ils sont bons joués. Il n'y a pas à faire des Pythagore là-bas. Mais aucun respect. Il n'y a pas de Pythagore là-bas. Hein? Il n'y a pas de Pythagore là-bas. Il n'y a pas de Holo là-bas. Et elle va pleurer. On leur a dit de marquer. On leur a bien dit de marquer. Mon Dieu. Donc, Vanessa n'a pas sa place là-bas. Je peux regarder le match?
Guizo. Aïe. Quand ils ont commencé leur truc de cocaine là, ils ont sélectionné leurs humoristes. Ils ont sélectionné leurs chanteurs. Ils ont sélectionné leurs tam-tamers. Ils ont sélectionné, eux tous, ils ont fait leur truc dans leur bon-y. Ils n'ont pas mis le nom de Guizo dedans. Ma belle. Si Guizo t'a dit que Cocane l'a appelé, il ment. C'est que c'est Audrey. C'est Audrey et Vanessa qui l'ont convoqué. Guizo n'est pas dans Cocane. Donc, je t'ai dit. Il n'y a pas émission aussi. Zike. Moi, je suis irréprochable. Regardez-le. Madame Zike. Zike qui est là, c'est un homme des chantiers. Ado a déjà. Il a tout fait. Il n'y a pas trou quelque part. Il n'y a pas. Transporté matériel. J'ai dit. Transporté matériel. Il n'y a pas. Où on devait mettre goudron à dos ami. Où on devait mettre sable à dos ami. Où on devait faire pont à dos à fait. Même stade en a fait. Tout le pays là. Où on disait c'était en chantier là. Ils ont livré où? Zike n'est pas appelé là-bas. Patrick Edouard. Ma belle, oh. Les joueurs là. Sidi Diallo a déjà cousu leurs amis. Il n'y a pas autre modèle. On n'a pas dit ils vont faire maillot en Zassao. Ils n'ont pas dit ils vont faire maillot en tulipe. Ils n'ont pas dit ils vont porter aluminium. Donc, si Patrick te dit qu'il a un contrat là-bas, c'est moins comme ça. Ils ne l'ont pas appelé. Je voulais parler maintenant. Ah, on dit dès lors. Dès lors. Émission là, peut-être c'est aujourd'hui, c'est fini. On revient après la canne. Je tenais à dire à ma... Quelle pub? Delors, quelle pub? Pub comment? Faut parler, il n'y a pas de pub. Madame Delors, comme toi-même, tu m'entends et tu me vois. Tu m'entends et tu me vois où? Tout est dans ta main. Je n'ai pas fini. Je tenais aussi à parler aux éléphants. Hey. Vous voyez, ballon là, si vous n'avez pas pitié de nous, ayez pitié de vos mamans. Ayez pitié. Ça là, nous on ne vous a pas dit de gagner. Aïe. Sincèrement, hein, moi où je suis assise là, je ne compte pas sur vous. Parce que à cause de vous, un jour, voiture a failli me cogner. Depuis ce jour, j'ai enlevé mon cœur sur vous. Arrivez un peu devant. C'est tout ce qu'on vous demande. Parce que les Camerounais, là, et... c'est la première équipe même qui doit être éliminée. Claire, très bien. Claire. Bravo. Il ne faut pas Cameroun. Arrangez-vous, si vous voulez, hein, Cameroun n'a qu'à sortir et puis vous allez sortir. Mais vous ne devez pas sortir avant Cameroun. C'est ça. Ça, il y a parlé au... Caissier. Quand tu prends la balle, donne à l'heure. C'est tout ce qu'on te demande. Le Badra, là, c'est le gardien, non? Gardien. Donne à l'heure. Quand il va lui donner Badra, donne à l'heure. Tout le monde a qu'à donner à l'heure. Gradel, à l'heure. Vous tous là-bas. Les remplaçants même. Quand vous rentrez sur le terrain, là. À l'heure. À l'heure. À l'heure. À l'heure. À l'heure. À l'heure. On ne veut pas babader, oh. Je tenais aussi à parler au président de la République. Ah, c'est ça. Papa, je sais que l'émission, tu regardes. Il faut appuyer le bouton. Tu es ivoirien, tu comprends ce que je dis. Il faut appuyer. Appuie. Et on est avec toi. Cette année-là, personne ne va parler. Il n'y a pas un ivoirien qui va dire qu'il n'est pas derrière toi. Appuie. Oh,
Déjà, ma robe est de chez Bonbon au lait. OK. Je tenais à le signifier. Oui, oui. C'est pas petit robe. C'est important. Mes bijoux, mes accessoires, mon foulard, c'est une de mes filles, là. Hein, on dit on voit pas, mais... Place-toi. Alors. Attendez, j'ai enlevé mes chaussures, parce que c'est pour mon papa le coin. Je peux me permettre... enlever. Vous apprécierez, n'est-ce pas? Pardon. Le bruit des émeraudes. Tu veux que je t'aide, Yvie? C'est bon. Yvie Gaillard. Oui. Normalement, tu dois te retourner. 3 quarts, s'il te plaît. 3 quarts. Merci. Ah, maman. Voilà. Aïe, aïe. J'ai dit que... Chérie, tu manges à table. À la table des rois. Il a dit que... Laisse-moi t'aider. Vous savez ce qui me plaît dans cette émission? C'est la rubrique qui arrive là. Caillou. Caillou. Le Congolais. Oh, vraiment. Aïe! Ça me c'est les yeux qui a giflé le temps. Y'a Caillou d'attendre. Zoré, Zoulan n'est pas la désacrée. Y'a Caillou d'attendre. Zoré, Yedi, une parenthèse, DJ Congélateur, c'est la star de mon grand frère Charles Blégoudé. Ah bon, hein? Moi, c'est manager confirmé. Donc, il prend ça pour me lancer des pics. Avant-hier, je suis là, il m'envoie un message. Le clip des congélateurs en Europe a des blancs. Et puis il me dit, poussin qui va devenir coq là. Quand tu vois, tu connais. C'est ça. J'ai dit, ah, moi je ne suis pas pressée. Mon artiste aussi arrive. Il me demande l'artiste allait où. J'ai dit, est-ce qu'on peut aimer amusement comme ce monsieur-là? J'ai dit, il aime amusement. Gros bisous, mon grand frère. Oh. Caillou dans l'oreille. Concert d'artistes ivoiriens. Confession privée ou spectacle. Sonia. Allez-y fort. Allez-y fort. On est déjà nés. Allez-y fort. Gâtez le coin. Gâtez le coin. Bon, moi, à mon avis, hein, quand on... si on se place du point de vue de la communication, on dit quand on parle de toi en bien ou en mal, le plus important, c'est qu'on parle de toi. Donc, de ce point de vue, ils sont dans la communication. Mais du point de vue promotionnel de l'artiste, ils sont à côté parce qu'au final, tu prends tes millions, tu organises un gros spectacle et personne ne parle de tes performances musicales lors de ton concert. Parce qu'on retient une demande en mariage, une déclaration des confessions familiales. C'est un investissement à perdre parce que quand un artiste fait un concert, c'est pour pouvoir se promouvoir, pour pouvoir monter ses capacités. Et si au final, on ne retient que ces parties-là, c'est que c'est un investissement à perte pour moi. Vanessa? Alors moi, j'aimerais dire que de façon culturelle, les gens ont l'air d'aimer parce que quand on voit comment c'est relayé sur les réseaux sociaux après les concerts, c'est pas mauvais, mais il faut faire ça à petite dose. Il faut retenir que quand on vient à un concert, c'est pour assister à un spectacle. C'est même pas pour écouter les chansons en boucle, hein, sinon on peut juste prendre le CD. C'est pour assister à un spectacle, à quelque chose qui va nous faire un effet waouh. Mais c'est ça. C'est très important. Mais non, cet aspect-là, ça fait pas waouh. C'est waouh là qui est là. C'est-à-dire que quand ils sont en train de travailler sur toi, nous on fait qu'on se tourne les pouces, on te regarde, on bave, on fait quoi? Quand tu es en train de faire une confession, ah, c'est le papa de je ne sais qui, non, ma chérie, je t'aime trop, faites ça chez vous là-bas. Voilà.
Déjà que nous, c'est chaud pour trouver l'amour. Il ne faut pas venir nous embrouiller. Attendez. Réprends ce que tu viens de dire. Je parlais du concert. Non, non, tu as dit quelque chose. Tu as dit quoi? Non. Ça l'intéresse pas. Non, tu as dit quoi? Mais vous avez un problème avec moi. Non, réprends, tu as dit quoi? Est-ce que les gens ont un problème? Non, réprends. Je disais qu'il faut trouver le juste milieu. Tu vois, j'aille. Ça, tu es la meilleure. L'équilibre. Il faut dire ce que tu as dit. Je dis que l'équilibre. Non, dis pas à ta tante. Oh, attention. Il faut répéter. Je dis. On dirait les petites filles du là. Tu n'es pas femme. Elle dit, je ne suis pas femme. Oh, je suis là. Tu n'es pas quoi? Je ne suis pas femme. Ah, d'accord. Je ne suis pas femme. Tu es concentrée. Tu t'es amusée. J'allais te déposer ici devant la Côte d'Ivoire, devant les étrangers qui sont venus là. Ils allaient connaître ton affaire aujourd'hui. Je peux continuer. Ça allait être le premier tapot de la canne. Tu dis ça, pour t'amuser avec moi. Continue, voilà. Donc il faut retenir vraiment qu'on a besoin de spectacles. Que les chanteurs et leur staff puissent vraiment faire un effort pour équilibrer. Un peu vers la fin, tu peux remercier les gens, on peut travailler un peu sur toi, tu peux parler de ta famille, remercier deux, trois personnes, te réconcilier avec des personnes avec qui tu as fait quelques embrouilles, ça peut passer. Mais il ne faut pas que ce soit tout le concert, parce que ce n'est pas pour ça qu'on a payé, en fait. Guizot? Moi, j'appelle ça « secret story ». Voilà, c'est-à-dire, on vient, on fait des confessions, qui est un secret à nous donner là, qui va nous dire, c'est ça. Une personne vient, non, voilà, demande un mariage. Vous savez, ce type de concert-là, normalement, on prend les deux tiers du temps pour donner à tous nos invités, toutes ces personnes qui sont venues nous voir. Deux tiers, on leur donne ce qu'ils attendent. Déjà même pour le ticket payé. Déjà même pour le déplacement. Maintenant, si vous voulez vers la fin, parce que les gens ont vu, ils peuvent se le partir. On peut travailler, tu peux épouser Madame Kwadjo, tu peux dire qui est orphelin ou pas. Tu peux... Là, il y a des gens qui seront là, peut-être les gars des cas sociaux, ils seront là pour dire oh. Donc, quand vous venez, donnez les rubriques. Donc vous dites, peut-être de 16h à 19h, là je chante vrai. Maintenant, de 19h à 21h, venez, mettez vos noms sur la liste. Qui veut demander à Madame Niaore, toi, mets ton nom. Qui n'a pas de. Mets ton nom, voilà. C'est ça. Ziké. Ok, j'ai rejoint un peu Guizot. C'est une mauvaise pratique. Parce que, effectivement, quand on paye pour venir à un concert, c'est pour écouter, s'égayer. Pour ce pourquoi on te connaît. Si tu es un chanteur, on vient écouter tes chansons. Maintenant, ces événements qui sont en train de prendre de l'ampleur dans tous les concerts, là, je sais qu'ils vont suivre Ili de Rocho. Ils vont arrêter. Voilà. Pardonnant-leur, ils vont arrêter, ils vont plus faire. Le pardonner. Ouais. Merci, Sony. C'est dégoûtant. Hey. Oh. Tonton. C'est dégoûtant. Voilà. Après, il se plaint qu'on va voir le compteur des autres à 200 000. Mais là-bas, là, on ne fait pas de nom de... Mais puis, t'as qu'à réunion de famille, on invite tout le quartier. La réunion de famille, c'est la famille qui s'est réunie. On fait réunion en cachette, mais pas que les voisins entendent. Mais vous invitez le quartier, vous faites réunion de famille, ça, en attendant quoi? On cherche quoi? Et les gens payent pour aller. Donc, comme les gens ne payent pas vraiment, parce que les artistes de maintenant, là, ils ne vendent pas de tickets, j'ai bien. Non, j'ai bien. Là, laisse-moi ça. Non, ah bon. Je lui fais la passe. Non, c'est dégoûtant. Je voilà. Ça m'énerve, quoi, quand tu vois ça. Non, mon cœur n'est pas chaud. Non, il va pas étonner. Patrick. Non, c'est quand tu demandes, mais bon, moi, personnellement, je dirais que c'est assez. Très fort, Patrick. Encouragez Patrick. Regardez. On s'en prend, pé baïgo, les petits moussis vont mourir. On s'en prend, pé baïgo, les petits moussis vont mourir. On s'en prend. Nous t'écoutons, Bagnon. On t'écoute, Patrick. Bon, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est... J'allais doucement déjà. Au chaud. Je vais dire d'abord que c'est triste. Pourquoi? Parce que moi, j'ai assisté à des concerts... Lou Calais de Patrick, maintenant. Bien sûr. L'Égyptien. J'ai assisté à des concerts comme celui de Burna Boy qui a eu lieu en 2020, par exemple. Ah ouais? Sa mère était là pour parler de l'aspect proximité qu'ils mettent quand ces artistes-là mettent leurs parents. Sa mère était là, elle est sa manageuse, mais tu ne l'as même pas vue une seule seconde pendant le concert. L'artiste, il est venu, il a plu ce jour-là, nous tous, on était là, mais il a performé du début jusqu'à la fin sans qu'il y ait une intervention familiale de quelque manière que ce soit.
Quand toi, tu viens et puis tu exposes un membre de ta famille, ne te plains pas que demain, les gens prennent ce nom-là pour aller faire baïa sur Internet. C'est ça. Ne te plains pas qu'on utilise le nom de ta personne pour t'insulter ou insulter cette personne. Mais quand tu la protèges, les gens même ne voient même pas à quoi elle correspond là. À quel moment ils vont aller sur Internet pour parler de quelque manière que ce soit de sa personne là? Ça, c'est doucement. Hein. C'est... Non. C'est doucement. C'est pour te dire, en fait, c'est pour te dire, moi, je ne parlerai pas d'une prestation, ou du moins, je ne dirai même pas ça un concert, mais d'une prestation qui a eu lieu ce week-end-là, dernier. Prestation. Et où on a vu beaucoup de déballages qui sont assez tristes. Parce que ça ne valait même pas la peine. La personne est venue parler de quelque chose qui, est, après, s'est dédié. Elle est revenue dessus à 1000 reprises durant toute cette semaine-là pour venir, jeter la personne aux mains de d'autres personnes pour l'insulter ou bien pour la traiter de plein de noms et qu'ils viennent se justifier sur des plateaux de télé. C'est pour dire, et pour terminer, pour te laisser parler, qu'on est en 2024. Il faut que les artistes qui savent chanter, qui savent performer, performent. Quand les gens payent 20 000, 30 000, 40 000, vous ne savez pas pourquoi ils ont dépensé autant. Ils viennent pour votre voix, pour votre performance et non pour parler de vos affaires de famille. Ça ne les intéresse pas. Parce que quand tu te lèves le matin, tu te couches du soir, tu as des problèmes que tu dois régler. Donc, tes problèmes, c'est que tu es venu nous montrer que oui, ta fille est belle, les oiseaux volent, les enfants s'amusent, Cendrillon, Disney, les là. Les enfants s'amusent. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On a besoin... La vie de Cendrillon, la vie de Disney, là, on sait très bien qu'il y a l'envers du décor dans tous ces trucs-là. Donc, ce n'est même pas la peine de venir faire ça, parce que ça montre même que tu n'es pas vraiment un performeur. Ça montre que tu as besoin du buzz pour intéresser les gens sur ta carrière. Et ça, c'est triste pour un artiste que tu vends. Doucement, beau. Faisons l'appel doucement, beau. Là, je suis vraiment dans une période égyptienne très lointaine. Est-ce que je peux prendre la parole? Prends la parole, jeune sœur. Prends-toi-en. Prends la parole. S'ils n'ont pas soulevé, ils vont déposer. Doucement, beau. C'est fort. Fort. Donne-moi un amen. 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 Je sens la transe. Vous savez... Là, l'image, mais non. Nous aussi, on a fait spectacle. Ah. Mon premier spectacle, ils vont encore dire qu'elle va parler de son spectacle. L'émission ne s'appelle pas Kwasi Amenan Justine. L'émission s'appelle Yves de Rochaud. Yves de Rochaud. Donc, si vous permettez aux autres de parler de leur personne dans leurs émissions, souffrez que je parle de moi dans la mienne. Amen. Entre autres. Amen. Amen. N'est-ce pas? Ceci étant, je disais tantôt, on a eu à faire des spectacles. Mon premier spectacle, à la fin du spectacle, j'ai eu à remercier mes partenaires. On m'a même fait une surprise, puisque c'était le jour de mon anniversaire. Donc, on m'a offert un gâteau, ma mère était là et tout ça. C'était à la fin du spectacle. Mon deuxième spectacle, tous les deux à guichet fermé. Il est important de le signifier. À la fin du spectacle, je descends toujours à la fin de mes spectacles pour remercier. Il y a Fou Keïta qui est arrivé à la fin, qui a versé l'argent sur moi. C'était carrément à la fin. Donc, j'ai pu performer du début jusqu'à la fin. Mes deux spectacles, je ne me suis jamais baladée dans des bureaux pour demander à des autorités d'acheter des tickets à offrir. Je mets quiconque au défi. Quiconque. J'ai eu des personnes qui ont donné un apport, peut-être financier, pour me soutenir, mais pour dire payer ticket, là, c'est qu'ils ont acheté ticket eux-mêmes de leur gré pour offrir. Aujourd'hui, c'est dommage. Oui. Mais les artistes, certains artistes sont devenus des mendiants. Donc, quand vous partez vous promener pour vendre vos tickets dans les marchés, partout, partagez vos tickets. On voit des gens même qui vont dire, il y a 100 tickets à offrir, 200 tickets à offrir. Pourquoi le public se plaint qu'on vienne faire une réunion de famille devant eux? Vous n'avez pas payé ticket? Ça, c'est clair. Tu n'as pas payé ticket et puis tu veux écouter chanson. Ces réunions, on va faire pour te donner. Aïe. Où on paye ticket, là? Quand tu t'en vas écouter, là,
on chante, on fait jeu de rein dedans. On écoute musique dedans. Il y a spectacle dedans, jusqu'à la fin. Mm-hmm. Donc, quand on fait à l'Acadiaman, des tickets, on ne fait pas palabre, des spectacles. Donc, c'est pour vous, tous ceux qui sont allés à des spectacles, à des concerts, et puis ils ont fait réunion là-bas, ils ont fait demande en mariage là-bas, ils ont... Ne vous plaignez pas. Mm. Parce que si tu as payé ticket une fois, tu es allé, on a fait là-bas, tu ne vas plus partir. C'est ça. Ça, c'est si clair. Tu retournes, c'est que ça te plaît. Mm-hmm. Tu es mazo. C'est ça. Il y a ce volet-là. Le côté où vous dites que les artistes viennent déballer leur vie dans leur spectacle, actuellement où on est là, c'est la course au buzz. Mm. Mm. Chacun cherche à allumer la télé à sa façon. Mm-hmm. Il y a des concerts où on s'en va, c'est Prédot. Il y a d'autres concerts où on s'en va, c'est là-bas, on nous dit j'ai laissé ma femme, j'ai pris ma maîtresse. Et Jésus. Il y a d'autres concerts où on s'en va, mon papa n'est pas venu, c'est mon oncle qui est venu. Il y a d'autres concerts où on s'en va, on dit non, je ne suis plus musulman, je suis devenu chrétien. Donc, chacun fait pour lui. C'est à vous maintenant de choisir. Moi, je ne vous comprends pas. Hein? Mm-hmm. Vous me voyez aller quelque part. Mm. Je suis assise chez moi. Conseil qui me plaît, là, je vais aller. Si j'ai payé aussi, je vais faire parler de ça. Mm-hmm. Si je n'ai pas payé, là, ce qu'on va me montrer, c'est ce que je vais prendre. C'est quoi, tu prends? Alpha Blondie, qui est Alpha Blondie, là. Sa femme, son épouse, là, elle est dans son staff. Mais quand Alpha Blondie fait Brigadier Sabari, là, vous l'avez déjà vu passer devant lui. Alpha même qui est là, là, s'il chante, on peut passer devant lui. Mewé qui est Mewé, là. Sinon, t'es dansé, attends. Mewé, que les gens ont gâté son nom jusqu'à... On dit, papa, excuse-moi, à faire des danseuses, tout ça, là. Vous avez déjà vu une danseuse sur le podium se retourner pour dire que... C'est-à-dire... Mais ouais, quand il commence là, vous transpirez qu'à la fin. Malheur. Quand il dépose le micro là, c'est que c'est fini. C'est fini. On dit bisser même. Ouais, on n'est pas rassasié. Ça, c'est quand je vais parler même des artistes ivoiriens. Baïs, papa, Baïs Pinto, tant, tant, tant. Fali, Kofi, Ferré, tous ceux qui viennent de là-bas pour venir jouer ici, vous vous plaignez. Oh, vous faites les tickets chers. Vous vous plaignez des coûts des tickets. Mais on s'en va s'asseoir là-bas, là. Si on a trop jugé à faire avec aux filles là-bas, c'est parce qu'ils s'échangent beaucoup. Aux filles va faire deux, trois morceaux, il s'en va s'échanger. Trois morceaux, il s'en va s'échanger. C'est affaire de Kofi qui est là. Sinon, vous allez danser du début à la fin. Mais concert où on vient, on fauche les on se fauche là-bas. Aïe. On se serre l'école là-bas. Ne venez pas m'emmerder sur mon plateau ici. Pour prendre, ils vont prendre ce que je vais dire là. Pour aller. Tu n'as pas trois morceaux, tu n'as pas quatre morceaux. C'est toi, tu t'en vas faire concert. Comme les quatre morceaux là, ça ne va pas faire 1h30. Donc, pour agrémenter, il y a partie des travaillements dedans, il y a partie des extraits de naissance dedans, il y a partie des... Le maire va signer canet, il y a sage-femme qui va faire vaccin de polio, on est dedans. Donc, ne me fatiguez pas. Parce que dans le pays ici, là, les choses se passent. Ils voient, hein, ils parlent de ça dans leur salon. Ils viennent me pincer pour que moi, je parle à la fille. Quand je vais parler, là, c'est pour moi, ils vont prendre pour aller faire... jugement. Mon nom, la canne là est venue. Ne faites pas, on va me plier là-bas. Oh, les invités là vont c'est voir fort, mes bras. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Mes bras ici. Artistes ivoiriens. Ah non, vous êtes sur les artistes. Je vous dis, c'est Delon qui écrit les trucs là. C'est pas moi. Moi, je lis seulement. Artistes ivoiriens sur les réseaux. Humilité, simplicité ou désordre. Sonia. Moi, je dirais rien de... Non, Delon me demande d'expliquer. Parce que de nos jours, les artistes sont beaucoup humbles. Oui, effectivement. Parce que c'est ce que les Ivoiriens disent. Moi, on dit, je ne suis pas humble. J'assume.
On dit les artistes sont... Quand tu es humble en Côte d'Ivoire ici, c'est quand tu te fais waïra. Djekere. Tu es accessible, waïra. Tu ris, hein, tout le monde. Là, on dit tu es humble. Quand on t'appelle pour venir prester, et puis on te donne 50 000, et puis tu viens à être deux casiers de billets, tu es humble. Quand tu décides de te vendre au prix fort, tu n'es pas humble. Donc, c'est un peu ça, Sonia. Alors, moi, je pense que c'est de la communication, parce que, selon ce que Delhomme expliquait, c'est leur présence, ils montrent leur vie, le lifestyle et tout et tout. Moi, je pense que c'est de la communication. Pourquoi? Parce que, déjà, les artistes sortent des singles, je vais partir sur des singles, en moyenne, une fois chaque 3 mois. Donc, s'ils ne montrent que les sorties de singles, ça va faire 3 mois de gap où ils n'auront rien à dire. Les prestations, en général, sur les réseaux, ce qui est redondant, de moins en moins, il y a des réactions dessus. C'est-à-dire que si tu as monté ton spectacle ici, on va beaucoup liker. Tu as monté ton spectacle là-bas demain, les likes vont diminuer. Parce que c'est la même... On sait que c'est toi, tu es parti chanter, donc les likes diminuent. Donc, pour meubler, pour ne pas disparaître des réseaux, pour meubler leur actualité, donc, entre deux singles, ils font sortir des vidéos lifestyle où ils sont en train de vivre. Ils se font... Par exemple, j'ai vu une vidéo, une photo de Didi B, où il était avec l'ambassadeur de France, où il dit l'ambassadeur est passé à la maison. C'est pour montrer... Hey, oui, oui. Les gens sont un autre niveau dans la relation, là. Si, si, j'ai vu. Je vais me mettre à jour. Il veut te dépasser. Il veut te dépasser. Non, moi, il ne filme pas. Où. Ah. Voilà. Ouais. Donc, c'est pour montrer que... Moi, je ne filme pas les gens. Ils ont une belle vie. Sinon, ils viennent. En groupe. En groupe. Allons-y. C'est ça. Donc, je disais que c'est pour montrer que... Ils ont une belle vie, ils vivent bien, ils vont dans des beaux endroits en attendant les prochaines sorties, les prochains gros événements. Non, mais Didi B, quand même, il travaille. Hein. Ah, énormément. Hein. Didi B, il travaille. Mm-hmm. Il fait sortir des sons, il fait des concerts, il voyage. Donc, je veux dire, anyway, Didi B, je n'ai pas dit qu'il est irréprochable, mais ça va, quoi. Non, j'ai pris juste l'exemple pour oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. Patrick? Moi, comme elle a dit, c'est meubler un certain vide artistique qu'ils ont, hein, pour la plupart en tout cas, pour ce que je vois. Parce que je dis ça dans la mesure où l'humilité, on dit l'humilité précède la gloire, mais dans la vie aussi, il faut montrer que tu dors dans un bon lit avec un bon climatiseur. De façon de dire, il faut te donner un genre, quoi. Donc particulièrement, si les gens disent non, mais particulièrement, vous n'avez pas forcément, vous n'êtes pas obligé de montrer la partie, on va dire, terne de votre personne. Vous n'êtes pas obligé de vous de montrer, vous êtes couché sur un lit, vous vous filmez, ou bien vous avez... Wayara. Ou bien vous êtes en train de recevoir telle personne. Vous n'avez rien à prouver. Quelqu'un qui... Je vais donner un exemple. C'est une Angélique Kidjo, comme ça, qui est béninoise. Elle rencontre énormément de personnes. Elle va à l'ONU, elle va... Mais quand tu regardes ses réseaux sociaux, tu ne vois même pas ça, en fait. Quand tu vois, je parle des Africains, parce que si je mets des Américains, on va dire non, c'est autre chose. Quand tu vois même M. Alpha Blondy ou bien même M. Mewé, moi, on est abonné à ces pages-là, on voit qu'ils ne mettent en avant que leur travail, rien que leur travail. Oui, Alpha, il met son voilà. Fils, il met sa vie. Oui, mais c'est, en majorité, c'est que son travail. 99% des il ne va pas, par exemple, je donne un exemple, il va sortir un single et puis demain, comme il voit que ça ne marche pas trop, il va mettre le prince bleu en train de l'attraper juste pour faire booster ses ventes. Ouais, il sait ce il qu'il en vaut. Il n'en a pas besoin, oui. Quand tu sais ce que tu vaux, quand tu sais où tu vas, tu sais que tu as une storytelling qui est claire, tu n'as pas besoin de faire ça pour te faire voir, malheureusement. Guizot? Bon, moi déjà, je n'ai pas bien compris le point. Donc, ils sont en train de parler d'humilité. Mais dans ton explication, je ne comprends pas, en fait, leur avis, en fait. Toi, ton avis? Moi, tu as demandé humilité et... Avec les artistes ivoiriens sur les réseaux. Sur les réseaux. Humilité, simplicité ou des voilà, autres. Voilà, donc, moi, pour moi, en fait, il y a tout ça dedans. Parce que ça fait partie de la vie de l'artiste. Bon, moi, j'ai aucun problème avec les artistes qui je ne vais pas dire exposent leur vie, mais qui, quand même... Montre aux fans quelques moments qu'ils passent. Exemple, moi, si je me marie demain, je mets sur ma page, si j'ai mon enfant. Bon, moi, personnellement, j'ai décidé d'attendre après 1 an pour pouvoir exposer mon enfant. Et maintenant, moi, je voulais revenir sur cette affaire d'humilité. Nous, dans notre domaine, c'est plus avec les grands frères. Tu vois, quand un grand frère t'appelle, il y a 2 ans de cela, tu dis, ah, OK, grand frère, je viens pour jouer. Et le grand frère, quand tu finis de jouer, tu le regardes, il te regarde. Ah. Le grand frère, il m'en va, il dit, OK. Aïe. Sinon,
Je pars. Je vais à la maison. Il dit, OK, appelle. Donc, petit, boss, boss, boss. Aïe. Mais arrive ce moment, quand ils t'appellent, d'autres, eux, ils vont dire, non, grand frère, je suis occupé. Ils ne sont pas occupés. Ils ne peuvent pas vous dire que, grand frère, j'ai grandi. Et vu que tout le monde me voit bosser, je suis arrivé à un niveau où toi-même, le grand frère, tu dois m'appeler me dire, petit, sur cette prestation-là, je ne serai pas disponible. Toi, va, tu me remplaces. Comme ce que tu as fait ici. Tu as montré à tout le monde que je pouvais prendre, non pas prendre ta place, mais pouvais combler. Faut bien parler. Non, bien non, mais c'est très important. Fais attention. Eh, non, en fait. Si, mais moi, je t'ai dit, hein, je t'ai dit. Non. Fais attention. Pour une émission. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Sur lui. Sur lui. Yes, rappelle-toi. Il se trompe souvent. Tonton Fela est témoin. Je me suis trompé. Guizot fait la sorcellerie. Oui, effectivement, hey. Tonton. Guizot fait la sorcellerie. Ma nièce, heureusement que je te protège. Oui. Et puis, on a parlé, hein. Ne t'étonne pas que des choses arrivent. Et voilà, tu as décidé que je sois là voilà, pour présenter l'émission. Il revient de Sion. Mais tu es d'accord? Tofia quoi? Voilà. Bon. Tofia quoi? Fais encore. Cela il revient beaucoup quoi. De Sion. Non. Pour dire, en fait, c'est un message. Je veux dire que la posture que j'avais là, grâce à toi... Mais tu insistes. Non, oui, c'est un message, en fait. Oui. Pour dire qu'à ces personnes-là, ces grands frères qui vont m'appeler maintenant, si aujourd'hui on m'a permis d'être là, c'est que grand frère... Il ne peut pas venir me caser des biens. Maintenant que je viens, quand je dis, ah, c'est Guizot le comédien, viens, ben voilà, temps pour mon transport. Mm-hmm. Papa, maman. Oui. Mmh. Moi, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que, comme Guizot l'a dit, souvent, il ne faut pas le voir aussi comme c'est-à-dire une sorte de... Rétention. Manque de respect. Non. Ou genre, on veut combler, ou bien non. Moi, je me dis, aujourd'hui... chaque artiste influence à sa façon et veut influencer. Donc, chacun veut se donner le titre de quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui est sympathique, accessible. Quelqu'un qui est accessible. Donc, c'est la course à... Au capital qui est le sympathique. Plus, voilà, au capital sympathique, qui est le plus truc, qui est le... Voilà. Donc, moi, je me dis, il ne faut pas le voir forcément sur le côté, tu vois. C'est vrai qu'il y en a qui le font peut-être de façon calculée, hein? Mais on a beau chasser le naturel, il revient au galop. Effectivement. Voilà, donc il ne faudrait pas généraliser. Voilà. Moi, j'ai la vidéo d'une artiste qui est très humble, très simple. Hein? Donc, je vais vous laisser apprécier et puis me dire si ça entre dans le désordre ou ça reste toujours dans la simplicité. Vidéo. C'est moi-même qui fais la déco de ma maison, hein? Attendez, je vais vous montrer. Maman. Vous voyez? Tombe. Tu veux quoi? Vous voyez la déco? Regardez de l'autre côté là-bas. Je vais prendre ma ceinture. Tout ce que vous voyez là, c'est moi-même qui ai tout fait. Quand tu montes les escaliers, tu vas vers la chambre. C'est moi qui ai fait ma propre ma déco. Et je n'ai même pas encore fini parce que j'attends mon meuble pour ma télé. Il n'y a pas Kinder. La télé est 86 pouces. Il y a quoi donner Kinder à l'enfant là? C'est pas une... Tu travailles pour la Kinder? Je travaille. Hein? Attends, l'heure n'est pas encore arrivée. Quand il sera 17h, 16h, tu apprends Kinder. À 16 enfants Kinder, c'est quoi? Non. Ellie. Ellie. Avant ma ceinture, s'il te plaît. Ellie. Patrick Edouard, elle est très humble. Vanessa, mais quelle grande humilité, hein, vraiment. Sonia, bah, elle est simple, hein. Normal. Guizot, tu ouvres le dictionnaire humilité, c'est sa photo qui est à côté. Zike, oui, elle nous montre son cadre de vie pour dire qu'elle n'est pas cachée. D'accord. C'est de l'humilité, bien sûr. Tonton Fela. Tonton. Vraiment. Tonton. Je voudrais être comme elle, au plus humble. Eh Allah. C'est la même. Je suis ému. J'ai les larmes aux yeux parce qu'elle est humble. Il y a des larmes coulantes. Thank you.
On a étonné. On a un problème aussi. Ce qui arrive là, c'est faux aussi. Plagiat. Hein? C'est-à-dire que on dit à des étrangers qui sont là. Ça, c'est des trucs qu'on peut en débattre après la canne. Sincèrement, c'est décevant et puis c'est l'indiscipline. Ça, c'est des trucs, on doit en parler après la canne. Hein? Depuis le morceau est sorti, tu n'as rien dit. C'est où les gens sont en train d'arriver. Les Camerounais sont là. Tu sors pour dire non, Tamsi a plagié ton son. Indigué. T'as fatigué le coup du marteau. Vidéo. C'est qui encore? Salut, salut, Blachan Ivoirien. Mon c'est Del Poco Zouglou, le coup du marteau. Del Poco Zouglou, coup du marteau. Voilà. Salut, famille. Mon c'est Carosa, le coup du marteau. J'aimerais dire, à travers cette vidéo, à Tamsi, que franchement, je ne suis pas content. Parce que normalement, quand on triche le morceau de quelqu'un, c'est parce que c'est bon qu'on triche. Ça fait plaisir. Mais quand tu es triché aussi, tu viens voir ces artistes-là pour dire, ah, les gars, votre beat, allez, prends ça pour que je vois son. Voilà. Mais tu sais ce qui fait que je parle aujourd'hui? Chers Ivoiriens, écoutez-moi très bien. Pourquoi je parle aujourd'hui là? Il dit, il s'en se met à la télé et puis il dit, c'est la trompette des éléphants qui font pom, 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 avec le coup du marteau. C'est du mensonge. Pendant le coup du marteau, il a déclaré, la fête s'appelle Afou Keïta. Tu n'as pas venu chez nous, je suis désolé. Tu as déclaré au Burida. Entends normalement au Burida, là, ça, là, ça ne se fait pas. Tu viens nous aviser et puis on fait le oui tranquillement. Maintenant, écoutez un peu quelque chose. Italien DJ, c'est Nico Côte d'Ivoire, DJ Carosa, avec les pyramides, Zouglou Del Poco, ça va tuer, on a parlé du coup du bateau. Écoutez comment ça fait à Tito, j'ai dit, doum doum, nyeo, ça nous fait doum doum, yeah, toi, oh, la voix d'appelé, yigale, toi, oh, imagaïo, la voix est toi, oh, doum doum doum. Dieu, yo, 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 papa salio, papa salio, yo, salio, yo, 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 Isaka leba kabana bame saka bila kabena dum dum. Onze mama kibana ko sebada dum dum. Isaka leba bame saka bona bame saka leba dum dum. Sali koko ti vwa repeto. Bribri ou brie. Basame. Basame rappelle. Le 444. Le TPI. C'est où ça? Le New Black. À Bobo. Oh. J'ai vécu, hein. Ah, je me rappelle. Je suis allé dans un maquis à Bobo, là, à l'époque. Mm-hmm. J'avais fait teinture jaune. C'est quoi ça? J'étais en tout noir avec un haut noir, un legging noir, et puis si l'écriture était en doré. Je venais de Trècheville. J'ai mis bottillon blanc. J'étais ma carrière. Bien, bien bon. Avec un ami, Jean-Luc. Et on est allé là-bas, dans le maquis. Mm-hmm. Les gens pensaient qu'il était une benguisse. Oui, oui, donc le morceau venait de sortir. Quand le DJ chantait comme ça, la béguise dans le front, tout noir. Oh! Est-ce que tu as le coup du marteau de Tamsi? Faut mettre. Y'a pas quoi ça y est, à lui seulement. Sonia. C'est pas la même chose. Est-ce que c'est la même chose, Sonia? Moi, je trouve que non. Je trouve que ça se ressemble pas. Vanessa. Peut-être le gain, là, non.
gain. Peut-être ça fait. Doua, là-bas, c'est boum. Boum. Ça nous mais fait. Mais Tamsi, même, c'est sur gain, on l'attrape. Parce qu'il y a eu gain de Afro. Elle aussi, elle a dit gain. Je l'aime bien. Gain. Il faut éviter les gain, Tamsi. Mais c'est ça qui est doux. Non. Si tu vois que gain te crée des problèmes. Tu enlèves. Va sur Doundoun. Ou bien bouc, bouc. Ou bien bouc, bouc. Je ne sais pas moi. Mais bra, il y a beaucoup d'onomatopées. Ils voient. En effet, merci. Merci. Ça nous fait waouh. Merci, merci, j'ai apprécié. Le mot? Oui. Vanessa pense que. Nous, c'est l'humilité artistique. C'est de ça qu'on parle. L'humilité artistique. C'est l'humilité artistique qui fait qu'on ne peut pas dire les grands mots ici. Il y a beaucoup humile. Voilà. Hey. Tonton, tu me rappelles une histoire. Beaucoup humile. Toujours à Bobo d'ailleurs. On était allé manger dans un coin et puis on a vu un monsieur, il faisait du boucan dans le coin. Il dit, lui, il est Ghanéen, il est le neveu de Kwame Nkrumah. Ah, Kwame Nkrumah, il voulait dire Kwame Nkrumah. Donc il veut montrer qu'il est trop de la famille, quoi. Et un autre jour, je revois le monsieur. Et je dis, ah, monsieur, une fois, je vous ai vu dans un coin. Il dit, ah, j'ai dit, oui, c'est pas vous le neveu de Kwame Nkrumah, là. Il dit, mais tu es physionyme, hein. Physionyme, hein. Il dit, tu es beaucoup physionyme, hein. Tu étais choqué. Physionomiste, là. Tu es beaucoup physionyme, hein. J'ai dit, depuis ce jour-là, quand quelqu'un m'a dit, tu es physionyme. Donc, tonton, quand tu as dit humile, là. C'est ça. J'ai pensé à ça, à Dama. Humile. Cannes et tourisme, les bons plans à ne pas rater. Bon, je vais demander à chacun. Hein, voilà, sur l'ordre de mon papier. Patrick. Alors, moi, je vais parler de ma ville, Katiola, et les Poutières. Katiola, c'est l'une des villes les plus, en tout cas, l'une des villes les plus intéressantes au nord à découvrir. Et les potières, ce sont des femmes qui travaillent quasiment nuit et jour pour apporter le meilleur de la déco, le meilleur du beau même au niveau artistique et culturel en Côte d'Ivoire et même dans l'Afrique, même dans sa généralité. Donc, c'est un très beau lieu qu'il faudrait visiter. On a le ministre qui a même visité leur espace de vente, etc. Ici, on a des images d'une mère qui travaille son pot avec ses enfants autour. Et puis voilà, c'était juste pour célébrer ces femmes-là et ce travail qui est fait nuit et jour. Merci. Vanessa, pardon. Alors, je voudrais inviter toutes les personnes qui ont fait le déplacement en Côte d'Ivoire à visiter le Nzi River Lodge. C'est à 45 km au nord-est de Boaké. Voilà. Donc, en fait, on n'a pas besoin d'aller en Namibie ni au Kenya pour faire du safari. Voilà. Regardez un peu le cadre, c'est magnifique. Vous avez les animaux. En fait, c'est pour se déconnecter. Vous allez là-bas un jour ou deux, pas de téléphone, pas d'internet. Allée, hein. Voilà, vous vous connectez à la nature. C'est bien. Super. Faut que j'y aille aussi. C'est okay. Vraiment super, juste pour renchérir. Pour renchérir. C'est vraiment un endroit extraordinaire. Moi, je suis allé deux fois en 2022 et en 2023. L'équipe est formidable, ils accueillent énormément, enfin, bien les gens, les lits, les, tout ce qui est, en tout cas, tout ce qui est dans l'espace. Les lits. Hein? Hey. J'ai testé le lit. Ah. Donc, oui, exactement, c'est très bien tenu, attends, c'est beau. Ensuite, tu as dit continue, il y a de très beaux animaux. Tu as testé le lit, Vanessa. Vanessa. As-tu testé le lit? J'en ai testé des lits, mais pas ceux-là. Eh non, j'aimais, hein. J'aimais. Tu en as testé des lits. En effet. Vanessa, donc, tu as beaucoup de jeunes. Je peux continuer. Je peux continuer. Tu as beaucoup de jeunes. Gâté aussi. Je n'ai beaucoup gâté. On est beaucoup gâté. Oui, Vanessa, mais toi. Alors, il faut y aller pour se reconnecter à la nature, respirer l'air frais. Ça fait du bien. Donc, vous allez pouvoir faire de la pêche. Vous voyez, il y a les 4x4 qu'on voit souvent dans les documentaires. Il y en a. Donc, il faut aller à Boaké, là-bas, à Nzi River Lodge. Extraordinaire. Donc, c'est dans la réserve du Nzi. Vous avez le fleuve. Vous pouvez faire une petite balade aussi en pirogue si vous n'êtes pas trop heureux. Mais vraiment, c'est une expérience à vivre. Ne repartez pas d'ici sans y avoir fait un tour. Sonny? Alors, moi, j'invite les personnes qui visitent la Côte d'Ivoire à rester à Abidjan et à aller au parc national du Banco. C'est vraiment de la forêt en plein cœur de la métropole abidjanaise. On est Abidjan, sur... on n'est jamais parti au Banco. Quand même, ouais. Les gars,
C'est bizarre. Moi, je suis allé là-bas. Hectares. Il y a un mois. Patrick, tu en as fait des coins. Vas-y, 3500 hectares de forêt, voilà, dont 600 hectares qui sont vraiment de la forêt vieille, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune manipulation humaine qui a été faite, en tout cas aucune manipulation visible. Et là-bas, vous pourrez voir des espèces animales, des espèces protégées, des éléphants, des colibris. Et en même temps, il y a la possibilité de faire de la randonnée. Pardon, et 80 km de pistes cyclables pour ceux qui aiment faire du vélo. Donc, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. En plein cœur d'Abidjan, vous avez cette magnifique forêt. Guizo, Je voulais demander, il y a chaque roman là-bas. Toujours. D'accord. Mais il faut regarder un peu en bas. Le voir. À quoi bas? Moi, je vous envoie dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, la région du Tonkpi, la belle ville de Mans, voilà. Mans qui est réputée pour ses cascades naturelles, comme on peut le voir. Et il faut dire que c'est de l'eau purifiée par les roches. Hein. Voilà, moi-même, j'ai eu la chance d'arriver là-bas. Ouais, c'était super, c'était vraiment super. Et tu as la nature, l'atmosphère vraiment conviviale. Je vous demande de vraiment faire un tour là-bas, Mans. Et souvent, à la sortie aussi, il y a des petits singes là qui en donnent des bananes. Il faut taper les mains. Ah bon? Pour voir. Oui, pour les faire sortir de la petite forêt. Ah, ok. Si. Il y a du bandit aussi, hein. Il y a du bandit. Oui, mais juste bon à côté, voilà. Il y a le pont de Liane aussi. Ah ouais. Zike. Oui, moi je vais parler d'une localité qu'on appelle Soko. Ça se trouve à Bondoukou. Okay. Et cette localité a une particularité. C'est-à-dire le fondateur du village Soko, là où il a fondé son village, là, apparemment, il y a des singes qui y habitaient avant. Okay. Et l'instruction qu'il a donnée, c'était qu'on ne fasse aucun mal à ces singes-là. Donc, ils ont cohabité avec les singes. Voilà. Bon, comme les nouvelles générations sont un peu déconnectées, je vais dire ça comme ça, donc les enfants, on va dire, séquestrent ou bien s'en prennent aux singes, raison pour laquelle ces singes se sont retirés un tant soit peu. Ils sont allés se regrouper au bord d'une eau que les personnes de cette localité-là adorent. Donc, j'invite ceux... Vous voyez que vous êtes tous étonnés. Oui. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir... ainsi que nos invités, ceux qui sont venus en Côte d'Ivoire, à visiter la localité de Soko. Bondoukou aussi, c'est une ville très touristique. Hein. On dit la ville aux mille mosquées. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. Voilà. Tonton Fela. Moi, je vais vous parler de Grand Bérébi, qui est situé à 375 km d'Abidjan. On va dire à 45 km de San Pedro. Et donc, dans la région de San Pedro, au sud-ouest. Ah, c'est trop. Grand Bérébi, ben... on a un village. On a déjà la baie des sirènes. La baie des sirènes qui est un cadre merveilleux. Il y a des sirènes là-bas. Et après la baie des sirènes... on ne les voit pas. On a Amani. Amani qui est un village. On a donc les rivières naturelles de Tabaoulé. La piscine naturelle. Les piscines naturelles de Tabaoulé. Voilà, vous voyez comme le monsieur flotte sur l'eau. Il y en a plusieurs comme ça dans des roches. Et c'est des endroits à découvrir. Il y a le goudron jusque là-bas, c'est pas loin, allez-y. C'est 5 heures de route. Moi, je voulais dire à nos hôtes, hein, ceux qui sont là, il y a des petits endroits aussi où vous pouvez aller à Abidjan. Voilà, pour ne citer que ceux-là. Atiéké Poisson, tu conseilles où, Patrick? Chez Alice. Alice, Sonia? Abba. Abba aussi. Alice, maman Alice. Bon, donc Atiéké Poisson, soit Alice, soit Abba. Boîte de nuit, Toto Fela. La cinquième. Pourquoi tu t'en vas donner le nom de mon coin où je me cache? C'est là-bas que j'aime. Patrick? Le Bloom. OK. Bon, voilà, il y a des endroits comme ça où vous pouvez aller. Je confirme, hein, pour la cinquième, c'est top. Voilà, et puis profitez, amusez-vous, enjoy, comme on dit. Les Ivoiriens, c'est un peuple adorable. On aime taquiner, on a une façon de parler, de s'exprimer. Ne le prenez pas au premier degré. C'est ça. On peut te dire, tu es mal bête. On n'est pas en train de t'insulter. On est en train de te dire que tu es chic. Tu es choc. C'est mal doux. Ça veut dire que c'est bon. Celui qui te dit, bonjour mon frère. Et puis celui qui te dit, mon frère, bonjour. Ça fait deux. Voilà. J'ai quelqu'un qui est arrivé aussi pour la canne. Du Bénin, c'est mon gros bébé Frido. Vidéaste, comédien, humoriste béninois, hein,
qui fait des contenus. C'est la première fois qu'on se voit. C'est mon gros bébé. Je l'ai connu à travers les réseaux. C'est un grand fan. Il est fort. Et il a dit, maman, j'aimais tellement voir ce que tu fais que j'ai commencé et je me suis lancée. Et aujourd'hui, il fait ma fierté. C'est la bière. Oui. Hein? Il fait ma fierté. Deux mots, mon bébé. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, Frido. Bonsoir. Je suis une fan aussi. Moi aussi. Merci, c'est gentil. Frido. Hey, Frid. Reste concentré, reste concentré. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous. La joie, elle est grande, mais comme on est devant la caméra, je ne peux pas trop crier. Parce que je suis avec ma star. Donc, merci de me recevoir si bien. Je suis venu lundi. Vraiment, ça se passe super bien. Tu as bien mangé? Oui. À checker poisson. Il a mangé. Il a fait tout. Gaba. On a aussi la bière de Guizot qui est là, qui va venir rapidement. Et tu es là pour combien de temps? Deux semaines. Deux semaines. Ouais. Bon, on va se boire. D'accord? Il n'y a pas de Au moins, il fallait que tu... C'est quoi ça? C'est le sapin, monsieur. C'est qui ça? C'est celui qui a appelé la bière. Venez ici. Et là, il vit, mais je ne sais pas pourquoi Guizot est comme ça. Hey, c'est la peau de la gloire. Il n'a pas répété ça à moi. Voici les lunettes. Là. Mais il n'a pas venu devant bien le voir. Fais vite, pardon. Doucement, doucement, c'est carreau. Merci. Il y a une fille. Hein? Attention. Seigneur Jésus. Je suis Mister Hollister, l'oiseau migrateur. Merci. Comment tu t'es envolé? Je suis également consultant en images. Voilà, c'est mon boulot. Voilà, et je l'ai mis en quatre épingles. Voilà. Il fallait qu'il sorte de l'ordinaire. En effet. Il a six épingles, c'est six. Merci, prof. Et je voudrais ajouter quelque chose parce que pour certains qui ne le savent pas, et toutes ces couleurs qu'il a mises, en fait, ce sont des couleurs de la vie. Parce que le jaune, c'est la couleur de la lumière par excellence, le soleil. On a le rose qui est l'amour, parce que vous êtes amour. On a un peu de violet qui parle de la spiritualité. Voilà. Parce que la NCI, c'est une couleur de... C'est un plateau qui parle de la spiritualité. Oui, et c'est une émission aussi qui parle de un peu de tout. Merci. Voilà, donc on a l'amour également, on a un peu de tout. Merci. Donc moi, j'ai inspiré le plateau. Et... Ah, vraiment, merci. En tout cas, merci. Vous pouvez... L'oiseau migrateur, il va doucement, doucement. Est-ce que vous avez vu celle-là? C'est carreau, hein. Ça va donner doucement notre piste. Ça fait là-bas, va migrer. Il vit trop, monsieur. Ça peut, ça peut. C'est la sape. Ça peut. Merci, il va tout à l'heure. Il est frais, le jeune. Mais c'est quoi tout ça? C'est ça, vous allez venir faire Abigail ici. Oui. En tout cas, comme je le disais tantôt, bienvenue à Kouaba. On vous souhaite bonne chance. Je demande au Nigeria de me ramener la coupe. Le Ghana toujours! L'Égypte! Ça reste à la maison. Le Ghana toujours! L'Égypte! Allez, bisous! La coupe à Takoradi! Enjoy à Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité! La coupe à Takoradi!